Voilà pour ce Grand Prix du Brésil de Formule 1 en direct de Sao Paulo. On se retrouve après le journal pour vivre le podium de ce Grand Prix. A tout à l'heure. Bonsoir. Salut Jacques. Vitamine, énergie, la force de la F1 avec les shampoings Elsev de L'Oréal. Vivez passionnément les images de la F1 avec Agfa HDC+, déclencheur d'émotion. Faire les uns les autres. Un portable, deux numéros. SFR est une marque de Cegetel. D'abord, le village où il est né. Sa mère. Intéressant, non? Et là, évidemment, son autoportrait. Triche pas, quoi. Là, enfin, tout ce que je sais, c'est qu'il a changé de voiture. Ciné dimanche, encore plus de plaisir pour vous avec Télestar. Avec BASFM Tech, retrouvez les couleurs fantastiques de Ciné dimanche. BASFM Tech, cassette vidéo. Règle numéro 1 du reportage d'investigation, Peterson, évaluer les forces de l'ennemi. On ne se méfie jamais assez des débutantes. Ce n'est pas parce qu'on a une partenaire ravissante qu'on peut lui confier tous ses secrets. Tu sais aussi bien que moi que je la coiffe au poteau quand je voudrais. Demain alors. Quelle est la règle numéro 2? Vous avez quelque chose... De très irritant, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Je suis votre rivale. Je pense qu'on ferait une équipe formidable. Raquette, j'ai l'impression que nous sommes en danger. De vous à moi, si je savais ce que vous savez, si vous saviez ce que je sais, on serait peut-être en mesure de survivre jusqu'à la fin de l'enquête. Il va falloir être parfaitement honnête l'un envers l'autre. Alors, plus de coups par en dessous. Et plus de tricherie. Julia Roberts, Nick Nolte. Adversaire ou complice? Ce soir, 21h05, sur TF1. Madame, monsieur, bonsoir. L'OTAN a approuvé aujourd'hui l'opération Abri Allié qui va lui permettre de déployer 8000 hommes en Albanie pour organiser l'aide humanitaire. Il faut bien dire qu'en ce 19e jour de frappe, le nombre de réfugiés venus du Kosovo vers l'Albanie, la Macédoine ou le Monténégro ne cesse de s'accroître. Et les départs vers les autres pays européens sont également de plus en plus nombreux. Alors rendons-nous dans un camp situé au sud de l'Albanie précisément avec nos envoyés spéciaux Gauthier Rybinski et Philippe Leroux.